Satnam, ici Wakan. Bienvenue à cette méditation sur l'ici et maintenant, sur la pleine conscience de l'instant présent. C'est une pratique inspirée de la méditation Zazen, issue du bouddhisme Zen. Elle permet de calmer le flux de pensée, d'apaiser le mental, de pacifier le corps et l'esprit, de faire l'expérience de la plénitude qui en découle. Installez-vous confortablement, soit assis sur les talons, si vous pouvez rester dans cette position pendant toute la durée de la méditation, ou assis jambes croisées en posture du lotus ou du demi-lotus. Vous pouvez, si besoin, glisser un petit coussin sous vos fesses, à la base de votre colonne vertébrale. Il vous aidera à garder le dos droit et rendra la position plus confortable. Quelle que soit votre posture, veillez à garder le dos bien droit. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine, ce qui permet d'étirer un peu la nuque et la colonne vertébrale vers le haut. Vos mains sont posées en coupe sous le nombril, main gauche sur main droite, le bout des pouces légèrement en contact. Les épaules et les bras sont relâchés. Vos yeux sont mi-clos et laissent simplement passer un mince trait de lumière. Et il est important de les garder ainsi, de ne pas les fermer pendant toute la durée de la méditation. Le regard est dirigé vers le bas, sans rien fixer de particulier. Bouche fermée, les mâchoires sont desserrées. Relâchez le ventre, et plus particulièrement la région du hara, située entre le pubis et le nombril. Dans la tradition japonaise, le hara est le centre de la force vitale. Le point d'équilibre est le point d'ancrage de tout notre corps. À présent, prenez conscience de votre respiration, sans chercher à la contrôler. Portez simplement votre attention, un peu plus particulièrement, sur l'expiration. Votre respiration s'allonge et s'approfondit naturellement. Elle descend maintenant jusqu'à votre hara. Vous êtes là. Et à partir de maintenant, il n'y a rien d'autre à faire qu'à uniquement se concentrer sur le maintien de la posture.
de veiller à rester stable, sans bouger, dans la pleine conscience de l'instant présent. Jusqu'à trouver le point d'équilibre qui vous conduira à un profond lâcher-prise. Toutes les 3 minutes, une petite clochette vous signalera le temps qui passe et vous permettra, si vous l'avez perdu, de revenir à la concentration sur le maintien de la posture. On est parti pour 3 minutes. Prenez conscience de votre posture et de la profondeur de votre respiration. On va repartir pour 2 fois 3 minutes, au cours desquelles je n'interviendrai plus. Veillez simplement à rester concentré sur le maintien de la posture. Lorsque la clochette retentira, profitez-en pour retrouver la pleine conscience de l'instant présent si vous l'avez perdu. Je vous retrouverai à la fin de la méditation, qui sera marqué par 2 coups de clochette successifs.
Bon zazen et à tout à l'heure.
Joignez vos mains au centre de la poitrine et inclinez le buste pour saluer. Inspirez profondément, puis expirez, puis dépliez-vous doucement. Allongez vos jambes pour les décontracter et massez-les un peu. Ne vous levez pas trop vite tant que vos jambes sont encore endormies. Je vous souhaite de passer une bonne journée sous le signe de la pleine conscience. Si possible, loin du brouhaha informationnel habituel, pour privilégier le silence intérieur et l'écoute. C'était Wakan. Si la méditation vous a plu, merci de la partager et de la faire connaître autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt.